commencé la quatrième table dédiée aux lectures. Je vais introduire Andreas Becker et le présenter brièvement. Andreas, et vous l'avez compris tout ce matin, est allemand. Il arrive en Lyon en 91, donc à Lyon, où il découvre la langue française et décide de s'y établir. Il publie son premier roman, L'Effroyable, en 2012. Il publie également Les Invécus aux éditions de La Différence et Nébuleuse, pardon, son deuxième roman, également aux éditions de La Différence. Tous trois sont caractérisés par une immense inventivité linguistique, dont on a cessé de parler durant cette rencontre. Et son troisième texte, Gueule, publié en 2015 aux éditions d'En Bas à Lausanne, concrétise un travail d'écriture effectué à partir d'une collection de photos privées de photographies de la Première Guerre mondiale. C'était les gueules cassées. Andreas Becker dessine et peint et expose régulièrement ses œuvres, mais il est également président responsable du comité des écrivains prisonniers. Et à ce titre, il va vous lire un texte d'un écrivain turc qui est emprisonné. À toi. Merci, Fulvio. Merci beaucoup. Donc, on va passer une heure ensemble avec des lectures. Donc, j'aurai pas grand-chose à dire parce que je vous laisse la parole à la poésie, à la littérature. En guise d'introduction et sans faire de grands discours, je vais vous lire un petit texte. Ce sont les dernières paroles d'un écrivain turc qui s'appelle Ahmet Altan, que nous essayons de défendre au Pen Club. Et actuellement, il faut dire qu'en Turquie, la stratégie du gouvernement, ou fait du régime en place, consiste à accuser et à faire condamner les écrivains, les blogueurs, les journalistes, les penseurs, les universitaires, pour cause de terrorisme. C'est-à-dire les peines sont extrêmement longues et vont très souvent jusqu'à la mort en prison des penseurs, des écrivains. Donc c'est un changement dans la stratégie en Turquie qu'on peut observer depuis quelques années. Et si d'autres pays s'y mettent aussi, on va vraiment vers des temps vraiment très très difficiles parce que ces accusations pour terrorisme, vous savez, on peut accuser à peu près n'importe qui de terrorisme. Donc Ahmet Altan a eu quelques mots, ses derniers mots d'homme libre devant le tribunal sont très importants et je vais vous citer ces mots. Alors Ahmet, je cite, il a dit: à chaque fois qu'un tyran a puni un opposant par des pratiques injustes, il a fini par subir la même punition. Ceux qui ont envoyé des gens à la guillotine sont morts sous la guillotine. Ceux qui ont jeté en prison ont été jetés en prison, et ceux qui ont chassé de leur pays ont été chassés eux-mêmes. La punition que les tyrans imposent aux autres s'impose dans leur destin comme une marque indélébile. Vous voulez donc que je meure en prison? Après vous avoir dit ces vérités, je vous dis que je suis prêt à mourir en prison. Et je vous demande, vous aussi, êtes-vous aussi prêt à mourir en prison? Parce que la punition que vous m'infligez sera inscrite dans votre propre destin. Maintenant, j'ai l'honneur de peut-être vous passer la parole. Rimal Sayed, vous êtes poétesse. Je suis poétesse franco-syrienne, je suis traductrice aussi, ambassadeur de paix. J'ai participé plusieurs fois comme membre de jury à des prix de poésie arabe et je travaille, c'est-à-dire dans la littérature, la calligraphie, dans ces domaines-là. Et vous allez nous lire un peu de poésie. Oui, j'aimerais bien vous lire un texte parce que vous allez nous lire en arabe, j'espère. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans l'Institut culturel italien. Restez assise ou. Oui, c'est pas grave. Comme vous voulez. Oui. On a parlé d'exil, on a parlé des traductions. Alors j'aimerais bien vous lire un texte qui est écrit en arabe. C'était à Rome, je l'ai écrit.
Et en passant là-bas, je me suis rappelée de tout ce qui se passe en Syrie et puis des liens qui lient l'Italie et la Syrie. Et après, si vous me permettez, je lis la traduction en arabe. Le texte s'appelle « Tous les chemins mènent à Damas ». كل الدروب توصل لدمشق روما ما جئتك شاعرة أقرأ على مسرح كاراكلا أشعاري ولا جئتك زائرة أرمي في التريفي نقودا لأكون نجمة محبوبي ويكون مداري روما جئتك شاكية باكية أنثني من وجعي كشجر الحور أتثنى كفنن الصفصاف أذكرك ببحيرة طبرية بتدمر ببصرة أذرف دموعا حرة في التبر وأبثه بعض أسراري روما جئتك كمجنون ليلى هائمة أدور في كل الأمصار عن روح أحبتي عن ريح بلادي وكلما استيقظت من نوبات الوجد سألت من أنا أين أنا وتابعت سيري ومشواري روما جئتك إلهة سورية أطفئ نيران جوردانو برونو أبحث عن رفات زنوبيا أوقظ أمجادها أستل سيف يوليوس قيصر ومن الكولوسيوم أعلن ولادة إمبراطورية الشرق وإلى بلاد الشمس أسير جحافلي وهناك بالحب أعلن انتصاري روما جئتك عاشقة مشتاقة يكاد الجوى يقتلني أمام مركب يرمي بي على شواطئ بلادي عساها تخمد جذوة أقلامي وتسكن بعد طول انتظار أنواء أسفاري. Vous avez traduit vous-même ensuite ? Oui. C'est le texte de vous. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, vous allez me dire. Roma, à toi, je suis venue, non pas comme poète, pour lire mes rimes sur le théâtre de Caracalla, non pas pour te rendre visite, pour jeter de l'argent dans la trévie, pour que je sois l'étoile de mon bien-aimé et qu'il soit mon orbite. Roma, à toi je suis venue en pleurs pour me plaindre. Je me tortille comme les peupliers. Je me plie de douleur comme les branches d'un sol pleureur. Je te rappelle du lac de Tibériade, de Palmyre, de Bosra. Dans le Tibère, je verse des larmes ardentes. Je lui diffuse certains de mes secrets. Roma, à toi je suis venue, errante comme le Majnoun de Leïla. Je tourne dans tous les coins pour rencontrer les âmes de mes bien-aimés, le parfum de mon pays. Et quand je me réveille de ma transe, je me demande qui je suis, où je suis, et je continue mon voyage sur le chemin de l'errance. Roma, à toi je suis venue, une déesse de la Syrie. J'éteins les feux de Giordano Bruno, je cherche les débris de la reine Zenoubi. Je réveille ses gloires. Je dégaine l'épée de Julius César et du Colossium, j'annonce la naissance de l'Empire de l'Orient et au pays du Levant, je mène ma légion. Roma, à toi je suis venue amoureuse passionnée.
dépéris de désir. Y a-t-il une barque pour me jeter sur les côtes de ma patrie? Peut-être la flamme de mes calames s'éteigne et après une longue attente s'apaise les orages de mes voyages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Quelle étrangeté dans le sens noble du mot, enfin nous sommes des étrangers, et quelle étrangeté dans votre magnifique texte. Et je pense que c'est ça qu'on va entendre un peu pendant cette heure de lecture, justement, cette étrangeté que nous portons nous en étant bilingue ou plurilingue, je sais pas, et cette étrangeté qui est nécessaire, qui est une sorte d'inquiétude, d'intranquillité, mais qui ô combien est moteur de création. Merci, merci beaucoup. J'ai entendu ce matin un mot qui rejoint un peu l'étrangeté et dans un autre sens. Et Rocio, je vais te poser la question si tu veux bien venir. Voilà, Rocio Duranbaba, si je prononce bien, tu prononceras. Non. Écrivaine, poétesse, je ne sais pas si on dit écrivain, poète. Ce matin, tu as utilisé le mot abandon. Donc, abandonner sa langue d'origine, c'est un mot que je trouvais très fort, qui m'a beaucoup marqué. Mais après tout, après réflexion, oui, mais après tout, après réflexion, pendant le repas de midi, je me suis dit, un poète, est-ce qu'il n'abandonne pas toujours sa langue? Et même un poète franco-français qui écrit en français, est-ce qu'il ne faut pas qu'il abandonne sa propre langue pour aller dans une autre langue, comme disait Andrea ce matin? Donc, l'abandon. Les mots sont forts, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas ce que tu as compris, parce que je ne crois pas que j'ai dit tout à fait ça, mais bon, ce n'est pas grave. Non, j'ai parlé quand même. Quoi que ce soit, un écrivain abandonne toujours, qui quitte son pays, abandonne toujours beaucoup. Et abandonne, bien sûr, abandonne sa famille. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais inspirée, j'ai dit qu'elle abandonne beaucoup de choses. C'est vrai d'ailleurs, je pense que c'est vrai. Même moi, je suis ici parce que j'adore la France et tout ça, mais ça n'empêche, j'ai quitté mon pays, j'ai abandonné. Oui, mais je sentais une grande âme. C'était un grand moment d'émotion, c'était très bien. Donc, je te laisse lire aussi. Bon, et tellement j'aime la France que je vais vous lire une partie de ces recueils de poèmes que je viens de publier il n'y a pas longtemps, justement dédiés à la langue française, puisque j'écris maintenant en français. Mais ça n'empêche, j'ai tout abandonné dans mon pays quand même. Donc ça par titre, aux cheveux de ma plume. Te voilà avec moi jour et nuit, aux cheveux de ma plume. Démêlant tes tresseurs florissants, faits de signes, des significations, des couleurs mystérieuses. Mon vertige. Il fut un temps, naguère, où tu étais juste un rêve. Dans mon paysage andin, étrérant, éperdu, l'indicible. Dans la constellation de mes livres, l'effacement des frontières. Tu dansais et t'étaissais. T'éloignais et revenais, m'éguettant sans relâche. Sur mes pages agitées, tu buvais de mon encre, et aussitôt, disparaissant, tu riais à distance. Maintenant, te voilà avec moi, jour et nuit, aux cheveux de ma plume. Te voilà revenu du silence, je m'approche, tu t'étales, ta main touche ma peau et la sorcellerie recommence. Saisissant mon va-et-vient, ta cadence se transforme en coup d'aile, ton geste complice ou moqueur s'enracine dans mes feuilles.
ton pouvoir de te lever et me conduire vers l'extase, le bonheur, la tristesse surnage. Tes voix naissent, renaissent, t'es l'haleine de l'aube, animant tes chemins, mon errance. Ton allure me capte, me serre, séquestre. Je deviens tes syllabes, tes mots, tes vocables, signification, sensation, allocution. Je deviens ton discours, ton alphabet à part entière, l'ineffable. Te voilà avec moi jour et nuit, aux cheveux de ma plume. Dans mes nuits étoilées, tu étais la lueur, vagabonde. Tu étais l'illusion aux yeux voyageurs, la distance jusqu'au jour où tu t'es réveillé sur mon cœur pour m'amener loin ailleurs dans tes lières. Te voilà avec moi jour et nuit, aux cheveux de ma plume, revêtu de tes amples caprices, m'emportant ton ivresse. Tu es à moi, maintenant devenue ma langue française. Je ne sais pas vous, j'ai entendu un mot dans les deux poésies qui était le même, enfin errance, dans les deux poèmes, j'ai entendu le mot errance. Je ne vais pas en philosophie là-dessus maintenant, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Oui, non, mais on va faire un autre colloque sur la question de l'errance, mais évidemment, j'ai beaucoup aimé les deux contextes dans lesquels on met le même mot dans deux contextes complètement différents comme ça, et aussi beau que ça. Je demande à Linda, est-ce qu'elle est là? J'ai une liste, donc je suis bêtement la liste que Fulvio m'a donnée. Alors, Linda, qui est également poétesse. Je vais... Vous voyez, je n'ai pas le rôle facile là, quand même. Non, mais j'aime bien me faire contredire, ça fait. Oui, pardon. J'ai lu beaucoup de tes poèmes, j'attends avec impatience ce que tu vas nous lire. Je pense que je vais ajouter un mot après. Peut-être, si j'ose. Je sors dans la rue avec l'ange. Je sors dans la rue avec l'ange, comme une chaîne enroulée autour de la main, blanchie par la chaux des murs. Les hommes que je rencontre me lèchent la main et les chevilles, me suivent de près. Je n'ai aucune pitié pour les hommes qui m'aiment. Ma chaîne a ouvert sur leur dos des poupées de serpent. Me saluent tous ceux qui ont dormi au bord des hauts toits, ceux qui ont porté leurs poumons jusqu'au tréfond des eaux, comme de très minces chiens de chasse, et les ont accoutumés à y respirer. Me saluent d'en bas les autres, les civils, atteints par la comatose, ceux dont on a cassé les dents avec une barre de fer, les cliniques magistrales, les entremetteurs, les déshérités du sort, me saluent, les contusions, la toux. Sous le lit fument peut-être encore les canons du fusil. Je suis sortie dans la rue avec l'ange. Je rentre chez moi comme une chaîne enroulée autour de la main.
le pistolet d'insémination. Tout comme cette lumière qu'on exfolie de la rétine dans un sous-sol occulte, un projecteur dans les yeux, c'est ainsi que j'imagine la mort de la poésie. Puisque ce n'est pas la combustion de la mort qui noircit les eaux, mais encrassé, le code-barre et les foreuses de décoration, les verres que les invités lancent joyeux jusqu'au plafond, phosphorescents, et les musiciens sauvages qui viennent les attraper avec leur bec. C'est pour cela que j'écris le meilleur poème que je puisse écrire. Le poème qui trépane, brise les sutures insurgées et laisse ses artères, comme des tuyaux sous pression, se débattre libres autour du cou. Qui taillade les poignées de l'air et en libère les dieux, les pierres. On pratique les plus grands raclages sur la feuille de papier et sous les armes. Mais la main avec laquelle j'écris se sépare du corps comme les mains des détenus sibériens cachés parmi les rondins empilés dans de longs trains glacés qui partent dans le monde. Rien, pas même un gémissement ne résonne à travers le tunnel métallique de la langue. Je tends la main, gardée par les volets de la clinique, par les matins blancs des volets. Juste assez pour qu'elle écrive le poème qui lave tes pieds fatigués dans son urine. Aucun nuage ne tremble, peut-être les armes d'assaut, les rues. Ma main attachée comme une menotte à la vision qu'elle a de la poésie. La main, détachée du corps, flottant par-dessus le monde. Un pistolet d'insémination dans son champ d'action. Merci. Je vais juste ajouter que Linda est membre de l'Académie Mallarmé et qu'elle est lauréate du prix Apollinaire. C'est quand même... Merci beaucoup pour cet aperçu de ton art, Linda. Je vais appeler Adrian Bravi, que je ne connais pas. Je suis absolument ravi de faire votre connaissance. Vous êtes né en Buenos Aires, ce qui me rend... You speak English? Je parle français, je comprends un peu, donc vous allez lire donc en italien. En italien. È un libro che si chiama La gelosia delle lingue. Vous parlez déjà très fort, c'est très bien. La gelosia delle lingue, dove parlo, ho cercato di indagare che cosa significa passare da una lingua all'altra. E ho ripercorso alcune figure della lingua, come la lingua come amore, la lingua dell'amore, quindi lì parlo di Elias Canetti, eccetera. Insomma, su tutte le varie figure della lingua. Vous voulez que ce soit traduit, donc Fulvio, tu nous... Non? Non? On reste là comme ça, hein? C'est très beau. Continuez, donc, c'est très beau comme ça. Leggo un capitolo che si chiama Infanzia. Nella mia vita c'è una specie di spartiacque linguistico che si posiziona più o meno in mezzo, nel senso che la prima metà l'ho trascorsa parlando e pensando in una lingua e la seconda metà in un'altra. E non avrei mai immaginato che la prima, lo spagnolo, o meglio il castellano, che ho usato fino ai 24 anni circa, sarebbe diventata per me una lingua monca, senza vecchiaia, come adesso è l'italiano rispetto al passato, una lingua senza infanzia, perché appunto i colori e i sapori della mia infanzia parlano in un'altra lingua. Per me non è la stessa cosa dire lagartija o dire lucertola. L'animaletto è sempre quello, ma nel mio immaginario sono due bestiole diverse. La parola lagartija mi riporta alla prima metà della mia vita, quando inseguivo insieme ai miei cugini e agli amici
queste bestioline velocissime e qualcuno, io non sono mai riuscito, non avevo mai avuto il coraggio, riusciva a prenderne una e a staccarle la coda con le mani. Ecco, la parola lagartija e anche quegli occhi stupefatti che guardavano come si dimenava la coda strappata mentre la bestiola sfuggiva dentro un cespuglio. E noi tutti, cugini e amici, dicevamo: «Mirà, mirà come si muove!» Alla parola lucertola manca quel corredo di ricordi e di sguardi. Più o meno la stessa cosa mi capita quando penso alla parola inondazione. In famiglia non dicevamo inundación, ma crescida o riada, più crescida che riada, perché quest'ultima sembrava arrivare da altri tempi, come una parola arcaica. La parola inondazione mi fa pensare alle catastrofi recenti. Crescida invece mi riporta alla mia infanzia, ai miei primi ricordi di quando stavo a San Fernando. Abitavo in una vecchia casa accanto al fiume e quando arrivava la crescida mia madre mi metteva sopra il tavolo della cucina e mi lasciava lì mentre lei, mio padre e il resto della famiglia si adoperavano per tenere a bada l'acqua che arrivava dal fiume. A ripensarci, forse quel tavolo è stato e rimane il mio vero paese. Oggi in particolare, se dovessi dire qual è la mia vera patria, direi che è quel tavolo lì. I miei primi disegni, forse le mie prime lettere dell'alfabeto, li ho disegnate quando scendeva l'acqua e andandosene lasciava sul muro una sottile crosta di fango che io andavo a scalfire col dito sputacchiato, dopo essere stato messo sopra il tavolo da mia madre o da mio padre. La crescida aveva tutto intorno a sé anche altre parole che si riferivano a quel mondo e che stavano un po' discoste, facevano parte di un immaginario comune: barro, fango, camalotes, sorta di solotti formati dalle piante acquatiche, umbral, soglia da dove entrava l'acqua e con la quale bisognava fare i conti ogni tanto. Se dovesse scomparire la parola crescida, per me scomparirebbe tutto un mondo che si porta appresso o addirittura sta dentro questa stessa parola. Poi, quando avevo 4 o 5 anni, siamo andati via da quella casa nei Bajos di San Fernando e da allora la parola crescida è quasi scomparsa dal mio vocabolario quotidiano. Ma ne sono apparse altre, come trenos, treni, escondida. Vamos a jugar a la escondida, si diceva. Era il periodo in cui siamo andati a vivere in un quartiere di Buenos Aires, Santos Lugares, vicino alla ferrovia, a pochi metri dalla casa di Ernesto Sabato, una casa con un giardino davanti, senza inferriata, dove si poteva entrare scavalcando un piccolo muro. Quello era il mio posto preferito per giocare a nascondino. La casa vera e propria si trovava in fondo al giardino di Ernesto Sabato e io rare volte arrivavo fin laggiù. Aveva la facciata ricoperta d'edera. Era una cascata verde molto fitta che sembrava venire giù dal tetto. Il giardino invece era pieno di alberi, piante incolte e strati di foglie cadute e accumulate nel tempo. Mi ricordo un'araucaria, un gelso, un gomero, in Italia conosciuto col nome di fico del caucciù, un albero bello per arrampicarsi, e un paio di cipresi. Non credo che Ernesto Sabato sapesse delle nostre incursioni. Una buona parte della mia infanzia l'ho trascorsa a giocare e a litigare con gli amici tra quegli alberi, che io ricordo rigogliosi in maniere inverosimili, quasi fantastici. Il tempo spesso ci dà una visione distorta delle cose. Molte volte ricordiamo gli spazi dell'infanzia in base a come eravamo da piccoli, quando le dimensioni, i colori, i profumi sono tutti diversi rispetto a come li percepiamo da grande. Io però quel giardino lo vedo ancora fermo nel tempo, con gli occhi che avevo 40 anni fa. E quando lo ricordo mi sembra di entrare in un posto incantato, o quasi. Alcuni mesi prima della morte di Ernesto Sabato,
ho rivisto il giardino di casa sua. Ero insieme a mio figlio, che aveva la stessa età che avevo io quando mi nascondevo tra quegli alberi. Come tante altre volte, ero tentato di suonare il campanello, ma non l'ho fatto. Adesso c'era un'inferriata davanti, abbastanza alta, che sbarrava il passaggio a ridosso del marciapiede. Gli alberi c'erano, non molti come ricordavo, ma c'erano, e c'erano anche le foglie sparse per terra. Cercavo di mettere insieme il ricordo con il giardino che avevo adesso. Era tutto diverso, come il giardino di allora e il giardino di adesso appartenessero a tempi differenti che nulla avevano a che fare l'uno con l'altro. Dentro la casa, con la facciata ancora ricoperta di edera, c'era Ernesto Sabato, uno scrittore 99enne che lottava contro il tempo e che forse dalla finestra della sua stanza guardava anche lui la scomparsa di quel giardino. Grazie. Grazie mille. C'est de la musique, non? C'est magnifique. Moi, je forme en italien, ça suffit pour discuter avec un chauffeur taxi, donc je ne comprends pas, mais c'est de la musique, c'est le rythme. Alors, mon cher ami Malik, que dire? L'homme magnifique, regardez, le plus beau, le plus élégant, mais je dis ça un peu comme ça, mais c'est vraiment un homme très très bien. C'est un ami. Malik, je te laisse la parole. J'ai écrit ce poème il y a 20 ans, quand ma mère mourait. Je lui ai dédié ce poème, et à travers elle, je dédie ce poème à toutes les femmes du monde. Femmes noires. Derrière des barbelés de silence, je sais d'étranges choses. Le fond de ta pauvreté somptueuse ressemble à ton sourire émerveillé. En vol d'ondes blanches impénétrables, je sais l'onde indicible. Je sais l'épuis d'amour. Je veux te ressembler là où tu palpites et là où tu es rythme. Les hasards, l'impromptu, la danse, le rêve, la déchirure de mort. Belle, chaloupée, chante de la grâce et génératrice des destins des hommes. Ça, l'autre poème, c'est Les éloignés, que vous appelez souvent les immigrés ou les immigrants. Éloignés. Sur un promontoire dévorant d'extravagance, la tendresse protéiforme invente et charrie le visage. Le regard bannissant apostrophe le pouvoir de la liberté. La verdeur de l'espoir, au fond des cachots, s'étoile d'espoir. Le cœur du temps et des sentiments est à l'assaut des promesses qui bourdonnent sans cesse les possibles de la liberté d'expression. Le silence sourit comme un croissant de lune et regarde tourner le manège des stupides, glisser comme des fantômes sur le miroir du nerf. Merci Malik, merci beaucoup. C'est un conteur né, notre ami Malik, c'est magnifique. Si vous avez le temps de boire un café avec lui, il va vous raconter des histoires, vous ne vous sortez plus, hein, vous passez la journée avec lui. J'ai sur ma liste Mia Lecomte, ou Lecomte, je vous laisse la prononciation correcte de votre nom. On ne se connaît pas encore, ça, c'est en train de changer. Je suis ravi de faire. Oui, allez-y. Vous êtes, très bien. Vous êtes poétesse, je vais oser le mot, écrivaine. Vous écrivez en italien. Vous allez nous lire donc de la poésie en italien. Je dis trois poèmes sur la maison comme lieu de désappartenance. Alors, terraqueo, le stanze della nuova casa non sono mai state più lontane tra loro. Una mattina di marcia per raggiungere la moca in cucina,
superata la palude, a guado il fiume, una scossa all'ultimo tronco malcerto. Per il bagno serve il periplo del vulcano, in alternativa due treni. Piove se l'acqua gronda dalla pensilina fino all'angolo più esterno del lavabo. I vestiti, allineati nell'armadio, infittiscono la luce all'orizzonte. Il mare è immenso da questa parte. Oltre si inerpica la scala dello studio. I larici, che lasciano il posto ai pini, fino alla distesa di muschio tra le rocce sempre verdi della libreria. In salotto precipizio con la cascata, per poi dirigersi verso la camera sul primo aereo, sospeso tra l'abat-jour e alcune delle più semplici stelle. Da capo, giorno dopo giorno. Se non puoi uscire dalla casa è perché fuori non ti è rimasto altro. Il tuo al di là si assesta nell'impronta lasciata in tempi morti su un cuscino. Casa di bambola. Sezione della casa. Frontale. Mezza in ombra. Il terzo piano è soffitta. Rotola una palla costante e la polvere è viola. Il secondo piano si flette. Tutti i passi dei figli a migliaia, dei gatti, si flette. Al primo piano comincia il dolore. Lei è tutta sul letto, decomposta. Lui l'aspetta nella vasca da bagno. Al piano terra è cominciato da giorni, lei ora è in cucina, ha già pianto e si affretta. Lui l'ha seguita con le sue lenti tabacco. Fuori un groviglio di spade, il prato col box, c'era il nome. La sezione non mostra le scale, si passa da dietro tra i piani, i figli lo sanno tutti in fila. In salotto lei ha perso l'età, lui la ragione. Scricchiola un osso qualunque, un molare. La polvere si è fatta celeste e riflette, non si aspettano strade. Pietà di noi, pietà dell'erba che non cresce, pietà del tetto e la facciata, degli usci senza chiave, pietà dei nostri ambienti vuoti, pietà del suono e della luce, ancora spenti. Pietà di noi qua dentro, pietà. Con le finestre finte, pietà. Dell'abitarci assente, del non poterci stare. Pietà di noi in questa casa, in questa nostra, altrui. Restez. Non, mais c'est très... N'ajoutez rien. Non, je voulais juste vous dire, vous voyez, quand je suis arrivé en France il y a 30 ans, pour moi, le français, je ne parlais pas le français, pour moi, le français, j'entendais comme là, j'entends l'italien. Je suis absolument sous le charme. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, j'avais une amie qui m'a dit, le jour où tu comprendras, ça sera moins beau. Mais elle s'est trompée, parce que c'est toujours aussi beau, même quand on comprend. Mais je reste émerveillé devant la musique comme ça, de la langue. Et ça me rappelle le jour où je suis arrivé en France, et le français, c'était ça pour moi. Et vous voyez, 30 ans après, c'est devenu une autre langue. Magnifique. Merci beaucoup, Mia. Alors maintenant, j'ai deux listes, donc je vais essayer... Donc, je pense que ça sera Andrea Genovese. Il est là, voilà. Je suis ravi, je fais connaissance. Bonjour, monsieur. On s'est déjà dit bonjour, mais deux fois, c'est pas... Bon, je ne vais pas lire des poèmes parce que Fulvio m'avait dit de lire un passage de mon roman. Un passage qui est un thème, qui soit un thème avec le thème. Mais en même temps, du moment que j'avais porté avec moi... un roman italien, un roman autobiographique, par hasard, hein, et en entendant Avellan nommé Pascoli, et mon collège en enfance s'appelait Giovanni Pascoli. Donc, et là, j'ai fait
quelques lignes en italien. Hein. Je vous lis quelques lignes en italien en partant de ce Pascoli, où je parle un peu de ma petite expérience de migrant intérieur en Italie. Alors, il Pascoli, Giovanni, figuriamoci. Nella nostra scuola era un mito. Le sue onomatopeiche mirice rimbombavano nelle nostre orecchie. I nitridi della cavallina storna accompagnavano le nostre cavalcate quotidiane, ci lasciavano senza fiato, sognanti. Le poesie piovevano dalla bocca della professoressa Arena, ci plasmavano alla padronanza della lingua che si articolava nella nostra mente senza che il dialetto ne risentisse. Anzi, quel bilinguismo era tanto naturale che oggi resto desolato nel constatare i guasti irrimediabili prodotti da una proletarizzazione inculta e televisiva, col risultato di una perdita di umanità e il rischio a breve termine di un clonaggio di massa. È anche vero che oggi il pericolo in Sicilia, come in Italia e in Europa, non è solo la morte dei dialetti e di quella civiltà ricca di humus, anche di dolore e di tragedie che essi veicolavano, ma la nostra scomparsa a causa di un messaggio incontrollato, scomparsa culturale, e a livello di coscienza più basso, provocato da un'immigrazione non controllata, oggi molto rovinosa, perché culturalmente non controllata, e storicamente più pericolosa, si fatica a percepirlo, delle invasioni barbariche del Medioevo. Beh, è un po' duro quello che scrivevo qui, ma comunque non finisce, non è indicativo neanche del romanzo. Allora, là, per quanto riguarda il romanzo pubblicato da Maurice Nadeau il mese di gennaio, che è intitolato Dans l'utérus du volcan, c'è un titolo provocateur, évidemment, perché il y a des passages sull'Etna, che è un mito ancestrale, quand même, du Signor au pied, presque, de l'Etna, dans une ville messine qui a été détruite dans l'histoire plusieurs fois par les tremblements de terre, qui ont complètement emporté les centaines de milliers de fourmis qui la peuplaient. Mais là, je lis un petit passage où apparaît dans ce roman un personnage qui est un migrant. Mais c'est, disons, l'avant-histoire de la migration, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une vision romantique un peu d'un personnage qui se baladait sur les plages italiennes, un Sénégalais à peine importé dans les années, la fin du siècle dernier, pour vendre des bricoles, que je l'ai dit ce matin, fabriquées par les mafias de Catane et qui était naturellement super exploité, et qui était un personnage simple, humain. D'ailleurs, moi, je le fais réapparaître à la fin du livre, accompagné par un agneau blanc, Agnus Dei Tollis Peccata Mundi. Voilà, à Québec. Mais je ne vous lis pas tout le chapitre, parce que c'est long. L'esprit lumineux surgit d'un point de la mer du côté de Faro, avait zévré le ciel pour aller s'abîmer à nouveau dans la mer vers Taormina, ayant parcouru en parabole la voûte du ciel. Depuis une heure qu'il avançait chancelant sur le sable, sous le poids de deux sacs surchargés qu'il tenait en équilibre sur ses épaules, Akeb n'avait pas levé les yeux pour regarder les étoiles. Ceux qui les deux sacs pesaient vraiment lourd et tiraient vers le bas sa tête aussi. D'autre part, il ne chaussait que des sandales. Et de temps en temps,
il sentait sous ses pieds le chatouillement désagréable du sable et des insectes, et il faisait bien attention où il posait les pieds dans l'obscurité pour éviter les objets pointus qui auraient pu le blesser. Marchant depuis le matin, il avait parcouru au moins une trentaine de kilomètres de plage pendant la journée. Aller-retour sur le même trajet pour vendre ses bricoles, et maintenant, il était dans un état de somnolence, ou plutôt de rêve. Il aurait peut-être continué à marcher à l'infini si l'étoile filante ne l'avait secoué, lui rappelant tout d'un coup sa fatigue et sa faim. Car il n'avait pas mangé depuis le matin, et le matin, il n'avait pris qu'une granité et une brioche. Peut-être que je suis allé au-delà de mon temps disponible, parce que autrement, il y a un moment où Akef se reconnaît dans la nuit, reconnaît que sa couleur de peau est semblable à celle de la nuit, et commence à comparer la vermine humaine blanche qui est tout l'été et devant reste au soleil pour obscurcir sa peau et ressembler à l'homme original. Alors, et ça s'appelle dans l'utérus du volcan. Alors, merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup. Merci. Oui, Andrea. Oui. Excusez-moi, ça, je le dis partout. Hein. Andrea vient du grec. Et signifie virilité. Si vous voulez que vous appelez votre fille Andrea, c'est possible. Oui, mais pour la petite histoire, pour la petite explication, étant donné que je suis allemand, je suis né en Allemagne, il faut dire Andreas, parce que si vous dites Andrea, c'est une fille. Ce qui manifestement n'est pas le cas. Jean-Charles, bonjour. Jean-Charles est professeur agrégé, je suis extraordinaire. Est-ce qu'on peut enseigner l'étrangeté? Bon, allons-y donc. Oui, justement, je vais vous lire des textes étranges en langue un peu mixte. Et nous travaillons beaucoup avec l'italien, qui est quand même une langue romane assez proche, comme Madame l'a rappelé, aussi de la langue d'oc. Nous travaillons beaucoup sur le presque même. Et quand Adrian faisait cette évocation nostalgique de la crescita, en italien c'est la crescita, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est le même mot, absolument le même, tu es d'accord, crescita et crescita c'est le même mot, mais crescita veut dire croissance, alors que crescita veut dire l'inondation. Voilà. Donc la crue, oui. Donc, on travaille un petit peu là-dessus. Je vais vous lire quatre très courts poèmes. J'espère que ça ne sera pas trop long par rapport à ce qu'on nous a demandé. Le premier s'appelle Confusion. Confusion a abundé. C'est tiré de la sottise à 8 personnages. Ce soir, stasera, nous mangerons ceci. Des pois chiches. Non cela. Sol in alto, sol osseux, cruel, for our dear dead. And non mai seppelliti assez profond. De profundis strati ad te clamavi, domina et regna in illo tempore. Ciciri opimes d'après al Idris. Géographe arabe, affligé de vent, dit « Non può essere strumento incorporeo. Ne peut y avoir que cul faisant office. Tous les soirs debout sur la piazza dispers, et tous fuitifs, exiliés et dispers, confusément cantan de profundis. » Garten der Pflanzen. Dov'è lo slancio, dici? Dov'è lo sprung? And la jeunesse, and le sang.
de ce printemps noyé, que a terra dead flowers, blasse narcissen da. Ma non vedi dentro le cœur fou, bientôt y jouera la luna. Babel, turgido luno che sproni voli di voglia i finestri socchiusi, entra togli i veli, rompi volti, bianco petto, scompiglia anche me, lascia che l'occhio bello, innamorato, se perdano, s'accechino, senza resa di sole dentro a te. Accaldata sole, togliti, lascia pure tu, non insistere, lo vedi che voglio solo dormire, solo senza la solita amore, la mora spolpata crania e mera skeleton furiosa, in danza di duro morte, là che falcia e falcidia tot, vecchio irrimediabile secco, rumore di bacio scoccato, va, l'amour est un sec faucheur. L'uno di luna accanto stella fredda. Et la dernière, dopo una lettura d'une poète qui fait partie de la troupe de Mia Leconte, troupe de poètes italiennes, Prugni, son recueil, elle s'appelle Barbara Pumhösel. Dopo una lettura. Non puoi avere il colore della prugna e lo spirito ardente dalla voglia. Il nome plum è il sapore della zuppa, un poco sciapido, o sciapito, non ricordo. C'è più sale volendo. Zin o sin nella susina. Ma forse nel mont tuo inabitabile e accogliente in poesia e decenza si toccano in sogno le parole, la loro pelle, o corteccia, o buccia busta, e scritte sulla busta, che sarebbe poi la sostanza venuta a galla, e ondeggia. Merci Jean-Charles, magnifique, merci, merci. Je suis particulièrement content que notre heure s'achève comme ça, parce que ça me fait penser à un mot que j'ai trouvé magnifique ce matin d'Andrea Iacovella, qui en dit « on est d'une langue, on est né dans une langue, on a sa langue natale, ça c'est une chose, mais on va chacun vers une langue, et qu'on soit français, qu'on écrive dans sa langue natale ou dans une langue étrangère ». En fin de compte, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, nous poètes, écrivains, nous allons vers notre langue. On a passé une heure ensemble à aller vers les langues de chacun d'entre nous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble.